Et on est mort encore une fois. Bon, déjà de m'avoir foutu un monstre qui fait un, la taille d'un immeuble, c'est un peu abusé quand même, non? Ouh! J'aime bien le comment il ouvre la carte, ça c'est cool ça. C'est un petit détail mais j'adore. Ok, on la voit elle en temps réel, ça c'est cool aussi. Tiens, ouvert à destination, quartier général. 2, 3, 4. Ok, c'est réparti en plusieurs zones. On peut aussi zoomer, ça c'est cool. Ok. Ok, cool. J'ai pas d'arme. J'ai l'impression que c'est un peu lent le déplacement, non? Genre il court un peu au ralenti, non? Bon, tu vas fermer ta gueule. Welcome to Jurassic Park. Putain, c'est Jurassic Park, ça pète. C'est un rêve d'enfant. Oh. Oups. Vous avez créé des raptors? Non. Ça c'est pour la map. Ok. Cool. La PS4 qui rame quand je ramasse une fleur, ça c'est cool. On peut couper ça? Non, on peut pas couper. Ah, et une fleur encore là. Yes. Deux fleurs. Inu, toshi kurai. Pas celle-là. Trois fleurs. Bestioles. Mesoki dai. Sûrement des Galliminus. Zéro to. Zéro. Zéro mo. Pasmira. Il est où le chemin? Il est là. Toshik, Tirola Toberano. Misonizera. Toshik Rakis. Cool. On peut suivre avec des phéromones. Yes. Oski, Kenichi. Oh, ça sent la bestiole là. Ça sent la bestiole. Ouh. Laisse-moi faire, j'ai un couteau. Et quelqu'un va nous sauver, non? Ah, ok. On court.
peut se cacher. Ah, se cacher. C'est bon? Yeah, cool. Excuse-moi. Y'a rien à côté? Putain, je peux pas. Je peux pas trop explorer, hein, parce que sinon il veut pas courir, etc. C'est un peu scripté. Hein. Donc pour le moment, on a pas grand chose à faire. Ça, c'est joli. Oiseau. Où ça? Où est-ce que tu... Ah, ah oui. Vieille empreinte, exact. Putain, t'en mets du temps pour y arriver. C'est parti. Attendez-moi. Revenez. Moi aussi, je veux m'amuser. Oh la vache. Qu'est-ce que t'attends? Attends, il y a deux dinosaures qui combattent. Je vais regarder, mec. Waouh. Ah, il le met minable. Bon, par contre, je voudrais passer. Sont grands les Pokémon dans ce pays. Ils sont un peu plus grands que d'habitude. Je me demande ce que je vais utiliser comme arme. Je pense que je vais utiliser le fusil mitraillette, un truc comme ça. Là. Ça a l'air pas mal. Kugaro, tu haktomi ada mores. Hashpa fareli tu astela. Eri tu astela. Shisodore oji ga hai. Mielata. There. Oh! Earthrock! Do they rock? Kinari Dan! Earth Emra! Lagunite Rock, Numora, Lumuremora! Ega! Vastukute, Sufarno! Nuiki Horas! Oh! Snoodre! La Lagna! Mora Tekinada. Shidi Farakness.
Maharamo, Vera. That's all. Teshku Sud, Mutoku Deolak, Kesoku Leo, Malai. Ukohala Husmanaku. Shizumi Shihaku, Hazam. Let's see, Naramo. Je veux pas dire, mais elle, c'est le cliché de la. Des Final Fantasy, de la pisseuse de 15 ans qui s'émerveille devant chaque fleur en fait. Ah, tu plein de matériel, ah. Super. Conversation. Alors. Bienvenue à Stera. C'est sûr que vous arrivez jusqu'ici, ok. Qu'on a commandé... Ok. Je vous ferai bien un rapport complet, mais je ne sais plus où donner de la tête en ce moment. Et pourquoi ça? Dès que la situation permettra, j'organiserai un conseil dans lequel nous aborderons les points importants. Je compte sur votre présence, évidemment. La guilde m'a dit depuis... Ah, on peut créer des guildes dans ce jeu? Genre des groupes? Je sais pas si ça a le nom de guilde. Je pense que vous formerez une excellente équipe, au fait, chasseur. Ton camarade à fourrure te recherche. Le prof, c'est... Donc faire un tour dans Astera, une corne retentira lorsque le conseil pourra commencer. A plus tard, merci. Ok. Il y a trop de gens. Je suis agoraphobe. Je n'aime pas la foule. En tout cas, c'est super beau. Ah, ça, c'est cool, ça. Baji Suji, Lobe Moik. Shifu, Ribesu, Medal. Medal Lumeshi, Yoru Rua. Shi? Tess Nore, Benaoji. Zeho! Oh, ça va, j'arrive. Merde, vous êtes où? Ah, là-haut. On voit loin en plus, hein, c'est pas mal, hein. Putain, j'ose même pas imaginer ce que ça va être sur PC, hein, il va être super, hein, sur PC. Déjà que sur PS4, il est très beau. Joli, hein. Hisube, Haemo no, Tomo. Ok, ça c'est bon, ça. Ça c'est copain, ça. La forge. On va passer notre temps ici, je pense. C'est une vraie fournaise, sans deck. Ah ok, on peut changer de cible, forgeron. Je peux parler au forgeron? L'armurier revient me parler quand tu auras... Ah ok, d'accord. Faut récupérer d'abord des armes, etc. Ok, cool. La cantine. Il prononce un mot, c'est trois phrases. La langue de Monster Hunter, elle est pas mal quand même, hein. J'aime bien. Mori class. Ah, oh là là. Oh mon dieu. Putain, il est vachement rouge en fait. Oh la vache. Il est vachement rouge clair. Oh. Est-ce pas censé être mon chat? There. Hake Lark Town. Naga. Hey. Meda, Zeki. Rihakia, Kurata.
Niji Zoran Magdala Osu. Nora. Un dragon ancien dans les hautes mers. To. Sodore Ektruti Meberi. C'était un dragon ce qu'on a eu? Truc de lave là? Vishara. Odejire Hadera. Tak. Oga Doshira Diai. Ne, Sodore. Emi Ktemira. Moki Oshi Jimemu. Lume Fami. Emi Kura. Tuzatsui. Ira Zebirika. Zoran Magdalaus. Moges Egaamem. Mubishio Garakdei. Tuku Memzak. Biteshini. Tulutira. Dizitiki Memube. Shi Tatura. Terushi. Neshirua. Kukuze. Memute. Mirureda. Stora Hatrukjinji. Dani. Aradete. Ori. Mais les dragons anciens sont tous différents. Ika Suto Nagularitu Oshifadari Teri Jagras Tekioshika Tsudek Era Yuf Mohashi Suze Nagusuto Mishirto Oire. Miaou. Miaou. Sodore. Merimoke Shikimeragus. Iga. Arime. Lusrook. Akiro. Rejiake Zetoki. Kedo. Ouri. Un coffre à sa disposition dans ta chambre. Un coffre, ok. Epteron, ouais, Emu Paradise est très bien. Moi, c'est ce que j'utilise. Et rien d'autre. Ouais, c'est l'heure de récupérer des armes. Là. C'est ici? Yeah. Chambre. Le tranchant des armes. Tranchant encore, encore. Tant de chaque accusation, les attaques d'une arme émoussée et plus. Et j'ai pas eu le temps de lire. Alpha Kideki, Rube Hae. C'est parti! Équipement, 14 armes. 14! Waouh! C'est 14 classes d'armes différentes? Différents types d'armes ont une grande influence sur le déroulement des combats. Par exemple, les grandes épées infligent des attaques dévastatrices, tandis que les épées et boucliers offrent une plus grande mobilité avec des frappes rapides. Le fusard balette, lourd, est encombrant mais très puissant. Choisissez l'arme qui vous convient au mieux à vos styles de chasse. Vous entrez librement avec l'arme de votre choix, parlez... Ok, ça marche, cool. On peut faire un tank dans ce jeu? Genre, il y a bouclier pour faire un tank? Qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est quoi ça? Voir la vidéo. Déplacer rapidement tout en bloquant les attaques. Arrête, c'est vraiment Dark Souls en fait. C'est cool. Lance canon de feu. C'est quoi ça? Une arme défensive qui tire différents types d'obus. Oh, une gun blade, mais en lance en fait. C'est une lance blade. Non, une gun spear. C'est une gun spear. Hache. Épée puissante et en hache. Une arme qui est sous sa forme d'épée, la libère une fois. Ok, on peut charger. Sympa.
Arc. Il y a même un arc, genre juste un arc. Simple. Enfin, il est gros, mais... genre un arc. Une arbalète. Ça tire des carreaux ou ça tire des balles, ça? Cause, merde. Putain, c'est... Déchiqueteur de fer. Une arme offre une grande liberté de mouvement et permet d'utiliser diverses munitions. Ah, ok, ça c'est... C'est plus petit et c'est plus rapide. Ok, ça marche. Glaive. Oh, c'est cool. Ça. Oh putain. Eh, franchement, les armes sont cool. Franchement, elles sont super classe. Waouh, les acrobaties que le mec il est en train de faire. C'est abusé. C'est quoi ça? Oh, tu peux mettre être un barde. Genre tu fais de la musique pour buffer les gens et tu peux taper avec. C'est n'importe quoi. Mais c'est cool. Bon, ça c'est l'arme basique, je vais pas le j'aime pas. Ouh, le katana. Sympa. C'est un odashi en fait, c'est un grand katana. Ok, on a les dagues classiques. Marteau. Ça permet d'étourdir. Ok, cool. Je pense ça. Je pense ça c'est cool. On va prendre ça en premier. Ah ok, ça c'est les trois équipements de départ. Alors, on va rester comme ça. C'est quoi tout ça? C'est ce qu'on a dans le coffre? Ah oui, c'est ce qu'on a dans le coffre. Log. Nigateri Laneri. Nigetotiti. Trike 2, Huku Hoki. Lulu Torar. Il me faut des balles, ça marche. Chalut, miettre. Vous savez, il est possible de fabriquer mon équipement à la forge. État de palico. En attente, déployé. Déployé. Oh, même lui, on peut lui changer l'équipement, t'es sérieux? Ah, ça tue. On peut le vendre. On peut le vendre. Ah, c'est quoi ça? Elle contient tout le nécessaire pour cette malle qui nous permet de gérer votre équipement et d'en changer. Mia, ouf. J'espère simplement que vous n'êtes pas pudique et personne n'a prévenu, vous auriez pu. Juste à côté de votre lit se trouve un coin où vous pouvez gérer l'équipement de votre palico, pratique, non. Adressez-vous à moi pour éviter votre lit. Ok, ça marche. C'est votre service, vous avez besoin. Entraînement. J'ai pas de balles par contre. J'espère qu'ils vont me fournir des balles pour l'entraînement parce que sinon. Sinon, je tire pas. Alors, maîtrise de l'art du combat. Ok, on va devoir attaquer les objets dispersés dans la zone. On peut également changer d'arme à partir du coffre. Ok, cool. So, Oruiku, Bemi. Duejitra, Gunarme, Befaragui, Eotoge, Tukidela.
Ok, on a visé automate. Non, enfin, on a ciblage en fait. C'est un peu chaud de tirer à la manette quand même, je dois avouer. Hein. Cool. Recharge. Non, recharge. Ah, rechargement, c'est le triangle. Oh putain. Et là, on a attaque de mêlée. Munition qui augmente la défense d'un allié. Munition utilisée pour capturer les monstres piégés. Munition pour donner du temps efficace, mais manque de punch. Un peu plus puissante. Munition perforante, cause plusieurs impacts. Cause plus d'impact. Grande dispersion, inflige plusieurs impacts à courte portée. Donc c'est un peu comme un fusil à pompe, je pense. Puissante qui se loge dans la cible avant d'exploser. Peut étourdir. Anti-blindage, ça c'est cool. Sa fragmentation... En 3 bombes au moment de l'impact, attention à vos alliés. Ah, on peut les défoncer aussi. Waouh, ça tue. Toxique, certains monstres nécessitent plusieurs tirs. Waouh, on peut en même, on a même des balles empoisonnées quoi. Ça tue. Éjecte des petites lames à l'impact, peut trancher les queues. Oh, comme dans Dark Souls. Basé sur le feu, les wyverns puissantes, mais à courte portée. Putain, ça tue tout ce qu'on a, la vache. Ça, c'est sympa. Activer tir spécial, j'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fais là? Possède une puissance de feu considérable. Ok. Ça tue? Ah, ça recharge petit à petit? Ah ouais, ça recharge petit à petit. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Apprendre à les objets, rations, viande crue, filet. Filet de capture. Viens ici, toi. Oh. Oh. Canne à pêche, broche barbecue, potion. Ok, ça marche. Gatling à la période du Crétacé. C'est ça. Pas le que je disais, c'était les frags, les perfos et les plombs. Après, je connais aussi des balles élémentaires. Putain, il y en a 3 milliards des balles, c'est abusé. Ça va être un peu dur par contre de tirer de loin. J'avoue que ça va être un peu la merde. Hors de portée, d'accord. Ça touche pas. Ah, okay. Bon bah du coup ça sera que du... On peut tirer sans viser ? Pas vraiment en fait. Ouais non, pas vraiment. Ok, ça va, sympa. J'aime bien le gameplay, cool. Le gameplay à l'arbalète est sympa.
Mais là, je crois que c'est juste pour le test, hein, qui m'ont filé autant de munitions. Allez. Non, le tir sans visée, il cible pas en fait. Enfin, on peut cibler, mais il va pas cibler automatiquement. On peut loquer en fait, mais ça cible pas vraiment. C'est bizarre. Parler à l'assistant. Assistante. Je te ferai une quête pour cela, direction cantine. Ok, ça marche. Oh, on va faire déjà une mission. Cool, cool, cool. C'est parti. Site de collecte, l'arc. L'arc a l'air pas mal aussi, hein. Pour les munitions, il me faudrait des... Genre munitions pour faire des dégâts, tout simple. Puis après, genre anti-blindage, couper des queues peut-être. Ça doit donner des objets en plus. Genre un peu comme dans Dark Souls, on récupère des, peut-être des armes ou des matériaux. Cette commission est spéciale. Arrêtez de me parler tous en même temps. Je sais, dragon ancien ou punir les gars. Que... Commission cherche mieux de le rôle la nature, c'est le nôtre. Dragon ancien sont la nature. Il serait futile de chercher à punir la nature. On lui échappe. D'apprendre à connaître la nature, c'est le vrai sens de la chasse. Le maigre. Ok. Allez, c'est parti. Combat. Quête. Mission. Le bazar. Une arme digne de ce nom, je crois même qu'ils nous fournit un peu de matos. Ok, balle. Balle, petit baril. Vide, petite bombe à retard. Oh, il y a même des bombes. Cool. Un boomerang, projectile étrange d'origine aborigène qui une fois lancé revient à son utilisateur. Ça sert à quoi exactement? Ah, j'ai tout ça comme balle? Si! Oh, il y a même des tranquillisants! Enfin, non, oui, je l'avais vu celui-là. Là, je suis au max en fait. Ah, mais je suis au max de tout sauf les tranquillisants. Les tranquillisants, j'en ai pas. Genre, je pourrais en acheter, mais on va pas en acheter. C'est quoi ça? Panneau de quête, on peut pas. Pas encore. Wow! Oh! Ah! Là-bas. J'arrive. Ah, on va pouvoir faire un ravage dans la forêt. Quoi, monte, quoi? Si. Monte charge. Okay. Je dois parler à qui? À toi. Manger un repas permet d'obtenir des bonus de vie ou d'endurance ainsi que d'activer des talents spéciaux sélectionnés sur le menu repas de votre choix. Les effets s'affichent au centre de l'écran. Ok, ça marche. Vous complétez une quête avant une quête. Une expédition, vous évanouissez lors d'une quête expédition. Ok. Donc on peut manger. Ça me rappelle Final Fantasy XV. Qu'est-ce qu'on bouffe? À la carte. Ah, on peut même choisir, on peut... Ah, c'est top. Oh, ça tue. Attaque P. Défense P. C'est quoi, petit? Je pense. Si. On va prendre sa chasseur. C'est combien, ça? 100.50. Ingrédients disponibles. Légumes, ok, ça marche. C'est
C'est des chats qui ont préparé ma bouffe. Ah bah ça. Ah bah ça, c'est la première fois que je vois ça. Rôtissage au four. Rôtisserie au four permet de faire cuire de la nourriture pendant que vous êtes en quête. Par exemple, il suffit de mettre de la viande crue à rôtir pour obtenir une ration de votre... à votre retour de quête. Ok, ça marche. Ah, mais j'ai pas de points. Émote ? Attends. Ah ! Alors, tu peux te mettre comme ça. Dormir, applaudir. Applaudir. En gros, c'est un MMO le truc. Je vais faire comme les MMO. PC petit, oui. S'il y a le signe plus, c'est un peu plus puissant. Ça marche. Qu'est-ce que tu veux, toi, encore? T'as encore. Four, je peux rien faire. J'ai pas les points. Point 50. Pas entre plein. Ah non, je sais pas. Ok, ça marche. Bonjour. Ah. C'est pas intéressant, merci. Là. Ah, elle est là. Je vais chercher. Tu es mon chasseur, je suis ton assistante. Oh non, la pisseuse de 15 ans qui s'émerveille devant tout plein de fleurs, c'est cool. Oh. Pour cette première mission, on doit enquêter sur Yves. C'est moi ou Yves, il commence à faire nuit. Première mission, on doit enquêter sur le territoire de Jagras. Il faut aussi qu'on en réduise le nombre, histoire de rendre la zone plus sûre. D'accord, ça marche. On va se mettre en route dès que tu seras inscrit sur la quête Jagras de la forêt ancienne. Tu es prêt? Ça marche. Mission, les quêtes font progresser l'histoire principale libre. Les quêtes peuvent être accomplies autant de fois que vous le souhaitez. Contrat, les quêtes spéciales sont disponibles à l'intendance. Événements, les quêtes sont disponibles uniquement en ligne. Ok, ça marche. Jagras de la forêt ancienne. Prime 720Z, ça c'est l'argent. C'est là. Sûrement un nuage ouais, qui passait devant le... Ah, il y a peut-être un cycle jour-nuit, ça serait cool. Limite de temps, 50... Ah, j'aime pas quand il y a des limites de temps, c'est chiant. Échec, temps imparti écoulé, s'évanouir trois fois. Autre monstre, Aptonoff. Et Mernos. L'apparition du Zora Magdaros a une répercussion sur l'écosystème local. Rentre sur les territoires déjà à grâce pour mener l'enquête et une lait si nécessaire. Ok, ça marche. Ok, sympa. J'aime beaucoup le... Tout le truc en fait, tout l'interface et tout, sympa, c'est bien. Ça explique bien, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est cool. Vous pouvez manger à la cantine, faire des achats au bazar, à l'armurerie, améliorer votre équipement à la forge, ouais ça je sais. Appuyez sur un rendez-vous à l'une des portes, appuyez sur... Ok, maintenant non, non, ça marche. Si je fais comme ça, démarrer la quête, yes. Oh, cool. Atteint l'objectif pour terminer la quête, logiquement. Chaque quête présente un objectif. Elle n'accomplit que lorsque l'objectif a été atteint. Notre objectif actuel consiste à éliminer un nombre précis de Jagras. Ça marche. Ok. Ok. Utilisez la boîte à fourniture. Emporte ce dont tu as besoin. Ok. C'est quoi la boîte à fourniture, c'est ça? Ouais. Ration, premier soin et fiole vide. On prend des fioles vides?
Non, Max. Ah, ok, non. On prend des potions. Ration. Hop. Fais voir l'inventaire. Non, c'est pas ça. Artisanat, sacoche. 6 potions, antidote. Ok, on a plein de trucs. Putain, on a plein de trucs, c'est abusé. Bon, par contre, c'est quand même un peu légèrement abusé le nombre de munitions, quoi. Je vais mettre 3 ans à chaque fois à les choisir, c'est relou. Enfin, c'est relou, c'est raccourci. Ok, ça marche. On a l'équipement. Et artisanat, c'est quoi? Ah, c'est créer, c'est potions et tout. Ok, cool. Quête, information abandonnée, info, communication, système. Ok, cool. Bah let's go. Tu viens avec nous toi ou pas? Locke. Apparemment il vient avec nous. C'est parti. Baby. On va mettre munitions normales. Les normales c'est limité, c'est sympa. Ça. On peut défoncer des trucs. Ah. Yeah, je te défonce ta gueule. Je suis un humain. Ah, c'est tellement beau la nature. Ah. Ah oui. C'est tellement magnifique. Il y a même des oiseaux qui viennent. Oh, c'est beau. Tellement beau. C'est tellement beau. Ah. On peut les bouffer. Non, on peut pas les bouffer. C'est cool quand même. Oh non, 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 non. Je voulais pas faire ça. Non, 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 non. Va pas nous mettre la sulfateuse. Rangen. Merci. Ok, on peut farmer les trucs comme ça très rapidement, c'est sympa ça. Pierre. Quoi? Pierre. Okay. Munition pour front permet de toucher des plantes ou les bombes à distance, cool. Ah ouais, je peux tirer. Tu peux utiliser les frondes pour détourner l'attention des monstres. Oh, cool! Ok, par là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, faut que je te suive. Merde. Il est comme la Stefano, il aime la nature morte. C'est ça, j'aime la nature morte. C'est beau. Je vais récolter du miel et mélanger une potion. Oh, cool. On prend. Plein de trucs à récolter, sympa. Mais c'est bien, c'est que ça prend pas de temps en fait pour récolter. Ah mais non, mais je veux la plante. Putain. Allez, mais attends. Voilà. Permet de toucher les plantes ou les bombes à distance. Ok, j'ai des noyaux rouges. Ah c'est ça. Mais... Lotahala Laku, Lewoda, Choda. Un de moins. Non, j'ai rien dit. Là maintenant, un de moins. Deux de moins. Diagraski. Oh.
ce truc est parti. Ok, ça marche. On tue des monstres et on... Enfin, on tue des animaux et on les dépece. Ça, c'est magnifique. On détruit la nature, j'adore. On récolte tout. Ah, oh, c'est parfait. J'arrive! Ça, c'est mon jeu, quoi. Ah, on a même une... machin. Oh, cool. Minerai de fer. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, ici. Ouf! Et si on sortait ça? Oh merde! Recharge! Non, change d'arme! Change de munitions! On va s'amuser! Allez! C'est énorme! Ah, j'adore la nature! J'adore la nature. C'est sympa. J'ai envie de commencer à utiliser les munitions spéciales, genre les trucs qui explosent et tout ça. Oh merde. Le chat, pousse-toi. C'est bon. Par contre, les mouvements sont un peu lents. Je trouve. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, on a déjà fini. Il a une saucisse. À 6 minutes 45, on a récupéré des écailles, de la peau, sphère d'armure. On peut... Ah, on a une option pour tout vendre, ça c'est cool. Puis on envoie tout au coffre. Objet récolté par les palicots. Ah, même le chat il récolte, ça c'est sympa. On monte de niveau dans le jeu? Non, je pense pas. Non, c'est bon. Vita Gap. Nouvelle cinématique a été ajoutée à la galerie. Ok, cool. On augmente que le niveau du chat en fait, le palicot.